Mais où est-ce que t'as été, putain? Après, tu peux, hein, je réduis. Ouais, non, mais pour là, c'est une zone que tu peux faire un peu quand tu veux à côté, donc bon. Là, je suis descendu vers le serpent, ça marche. Mais ça fait Olorin sans faire le dommage, j'ai l'impression que tu... Ah ouais, non mais c'est... Il a pas du tout pris le bon chemin. Ada, alors Ada par contre, c'est là-dessus, tu vois, je veux pas trop de backseat, mais... T'as vraiment... Disons que comme... Ok, bon, je... y aller sans tact. T'es un noob dans le jeu, tu découvres et t'en chies. Est-ce que c'est la meilleure des idées de prendre des chemins encore plus difficiles que d'habitude? Je me dis que d'un côté, tu veux peut-être découvrir par toi-même, ce que je comprends parfaitement, et ça a beaucoup de sens. D'un autre côté, comme c'est la première fois que tu joues à un Souls-like, enfin un Souls en l'occurrence, un Souls original celui-là... T'es clairement sur une partie du jeu qui est censée être bien plus tard. Donc, je suis le chemin que je voyais devant moi. Je sais pas ce qui est avant ou pas. Attends, faudrait que je vois ça. J'ai pas de souvenir. J'attends de voir où est-ce que. Je verrai par où tu vas. J'en veux plus du tout, moi, du jeu, de toute façon. Donc, là, je découvre. Plus je sais que j'ai aucune mémoire sur l'orientation. Ah, salut. Ah! Ok, c'est bon, je me rappelle. Je me rappelle. Et là, tu fais... Je vais aller épicer. Ouais, à tout de suite. Et re... Ok. Continuons. Attends, inventaire. Ah ouais, putain, c'est vrai que j'ai même pas encore foutu les pieds dans l'inventaire, quoi. Je suis trop largué. Compétences. Ah oui, il y a ça aussi. Ah bah, c'est là pour le. Non? J'ai rien débloqué du tout. Ah si, tiens, médecine Shinobi rang 1. Ok. Ça doit venir plus tard, les débloquer les trucs. Ah non! Je me suis trompé de bouton. Ah c'est bon. Ah j'ai eu peur. Il est où le gros serpent? Oh il est gros. Ouais. C'est vrai que c'est un gros serpent quand même. Hein. Vraiment un très très gros serpent. Il est où? Bonjour! Cucu! Salut! Là, tu cours! Hop là! Eh bien, ça marche pas, marche pas, marche pas, marche pas. Oup, merci le raise. Merci le raise. Oh, une idole, j'ai failli la rater. Ok, reposer. Et donc en fait, tu perds de l'XP quand tu meurs, c'est ça? Ok, là j'ai deux. Ok. Je me rappelle tellement plus. XP et sous, ok. Oh bordel. Ok, c'est parti.
Non, les lanciers, je les aime vraiment pas. De toute façon, je les aime dans aucun jeu, les lanciers. Dans tous les jeux, c'est des connards. Allez, venez là, les connards. Coucou! Non! Même pas en rêve, lancier à la con! Voilà! Bah alors, t'es plus chaud, Jean-Michel! Ok. Je sais plus comment on grimpe. Ah, je sais plus comment on grimpe, au secours. Déteste les géants, je sais qu'ils m'avaient bien cassé les couilles aussi. Ils m'avaient tellement saoulé les géants. Ça a été un vrai problème. Je m'en rapproche de Gyobu là, non? Je suis vachement proche de Gyobu là, je crois. Que je vais me rappeler comment la strat... Me dites rien, j'ai envie de la redécouvrir. Ouais, il est juste derrière, c'est ça. Peut-être pas ouvrir tout de suite. Ouais, mais tu fais des petits lives aussi, c'est quoi? C'est live de 3-4 heures, Ada, ça va. Ça va, ça va, t'inquiète. Ah oui, ok, ouais, c'est ça que je peux aller là-bas. Ouais, non, si je vais là-bas, ça lance Gyobu, je crois, et je me lance dans l'arène. Ouais, c'est 4 heures, attends, ça va. Non, mais c'est pas en disant que tu fais. Mais non, t'as pas compris, il est con. Banane, c'est pas parce que. J'ai pas que tu fais les cours live, ce que je veux dire, c'est que t'as fait 4 heures de live, moi en 1 heure. Bon, bah, c'est pas choquant. Enfin, je connais mieux les action RPG que toi, et en plus, j'ai déjà fait le jeu, quoi. Bon, bah alors, je sais très bien que tu peux faire le plus gros live. Yes, yes, Gyobu. Après, j'ai 3 gourdes là, ça va aider. Normal qu'ils puissent pas faire les plus longs lives. Chacun son taf. Je pense pas que je l'aurais. On peut. Ah, franchement, ça se tente. Il est plus simple que Genoshiro. Allez, vendu. Prédiction. Je la lance. C'est parti. Victoire ou défaite. Je mets 2 minutes. C'est first try, hein. Allez-y, faites-vous plaisir. On sait tous les deux que quand j'ai le temps, c'est pas 4 heures que je live. Ah oui, non bah t'es un casu qui stream 4 heures tout le temps et voilà. Pareil que tu fais des rondes. Tu fais pareil que tu fais des lives de 15 heures, mais ça c'est des ondis, ça c'est des rumeurs, ça. Ça c'est des. Va faire ça avec la fausse mort pour le coup. Non mais comment ça avec la fausse mort? C'est pas une mort, putain, vous me rendez ouf avec ça. En fait, t'es le main. Oh, ça, je te préviens, ça subira, ça c'est infertilité. La dernière fois, j'avais passé le. J'avais pris sur moi parce que c'était modérateur et qui m'aidait énormément et que je les appréciais. Mais par contre, là, venant du chat, j'aurais aucune pitié. T'es mort quand tu fais ta game over et que tu recharges. Fin de l'histoire. C'est ça une mort, c'est aussi simple que ça dans le jeu.
aucun souvenir de comment on l'affronte. Dans le doute, je bourre. Il est où? Il est où? Ah, il est là-bas. C'est toi là? Maladie, c'est toi. Il me semblait qu'il y avait une technique et tout pour l'affronter. Il y avait tout un truc, je m'en rappelle que... On n'avait pas une sorte de shotgun ou c'était dans le... C'est... En fait, je confonds peut-être avec le game plus, je m'en rappelle plus. Le soutien d'une bataille avec un ennemi rare et redoutable qui vit dans le cœur de loup. La puissance d'attaque peut être augmentée définitivement si vous communiez avec une Needle Sculpteur et affrontez le souvenir de la bataille. Ce souvenir concerne Gyobu Oniwa, le gardien de la porte du château de Siwa, qui est en mécanique. Oh, mais les deux mois étaient trop longues. C'était pas resté dans le cul du choix, je sais plus. Ah, Vice qui croyait pas en moi, et ben je sais. Voilà, choisir la réponse. Victoire. Mais 2 minutes est trop long, ouais, 2 minutes est trop long. Je pensais pas, en même temps, je pensais pas le péter aussi facilement, aussi rapidement. Ada sur lui, t'en as moins chier que sur l'homme ou pas? Non, tu m'as dit, 16 try, tu m'as dit, je crois, c'est ça. Attends. 12, 16, 20, 20. 20 try, c'est ça, ouais. Oh, 20 try, en vrai, ça va, no joke, hein. Pour un premier, pour le... Donc, ouais, c'est moins de try, tu vois, pour lui que pour Locke. Je trouve pas ça choquant, parce que il est mieux foutu que Locke avec son tracking débile. Donc, c'est pas choquant du tout, pour le coup. Et donc, GG à toi. C'est-à-dire que, il est pas... C'est pas qu'il est plus... Il est plus simple, et... parce qu'il est mieux foutu, dans ce sens-là. Reflet de force, triompher de l'adversaire extraordinaire que vous tenez désormais d'affronter le souvenir. Vous avez maintenant accès au reflet de force Daniel, du sculpteur. 20 try Gyobu. Hey, coucou Herman! Oh, 20 try Gyobu en first round, c'est tout à fait honorable, hein, Ada. Sincèrement, hein. 106 try sur 1000 parts, c'est pas normal, c'est que t'as... Y a un truc que t'as pas compris. Mais 20 sur lui, par contre, c'est cool. Comment ça va, Herman? GG pour The Medium. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Sans trop me spoil, qu'est-ce que t'en penses de The Medium au final, maintenant qu'il a fini? Dis-moi tout. J'ai passé 10 traits à Dodge en laissant le bloquer en fait. Bah tu vois, ça nous, c'est ce qu'on a fait, nous a fallu des dizaines et dizaines d'heures pour tous les joueurs des Souls. Parce qu'on, moi je parais jamais, tu vois, dans les Souls. Je fais les jeux, généralement, tu as genre Dark Souls 3 quand je ferai le run, full de main sans bouclier. Et résultat, c'était compliqué. Ça marche. Ok, ok, Herman, bah écoute, je testerai. Merci beaucoup pour ton retour. C'est quoi ça déjà, goutte de sang ancien? C'est pas pour les... Ah ouais, c'est ça, et voilà. Et tu l'as fait ou pas ça, Ada, pour les soigner les mecs? C'est vrai que tu peux les soigner les gens. Je sais plus par contre si c'est vraiment utile ou pas. Augmente légèrement le pouvoir de résurrection. Ah oui, tu gardes, tu regagnes un res en fait avec ça. Tu soignes les gens et... Non, je laisse tout le monde crever, moi je peux trop. Mon pauvre Ada. Ah, la gourde. Ça, c'est la graine de gourde, ça, c'est stylé. Okay. Il y avait pas un... Pauvre Herm... Pauvre Ada. Eh oui. Eh oui. Est-ce que tu l'as vu, lui, Ada? T'as pas exploré la grenade. Okay. Ça explore pas, bravo.
Nanorazu Shinioru Janga Sono Hidari Ude Shinobi Gistoa Natsukashi. Naruhodo Sekiwan no Okami ka Kinita zo Naraba Sekiro Onushi o sou yobo. Tu vois, c'est vachement important dans l'histoire. Tu l'as pas fait le jeu, Herman? Il me semblait pourtant que t'avais fait les Souls de From Software. Très très bon jeu, hein, Sekiro. Très 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 bon jeu. Et bah en plus sur console, il faut la vérifier sur Xbox Series X, mais sur PS5 ils l'ont mis à 60 FPS, ça change complètement de... Comme pour Ghost of Tsushima, tu vois. Enfin, tu mords avec des gros guillemets. Hein. Je sais pas, il est pas mauvais Herman en vrai, maintenant que je l'ai vu sur Bloodborne et sur les Souls... je t'avoue que j'avais pas une grande confiance en toi pour One Shot Bloodborne, Herman, mais en vrai, t'es pas mauvais, donc... Non, je pense pas que Sekiro lui pose un problème. Hein. Des bisous, Zarok, à bientôt. Salut, salut. Voilà, donc en fait, t'as une suite de quêtes auprès de lui, Adar Alex, et qui sont vachement importantes à faire. Je m'en lance pas trop là-dessus. T'as fait Ghost of Tsushima ou pas, Herman? Après, tu pourras pas, putain, ça que c'est sur PlayStation Only. Hein. Parce que ça, c'est un grand, grand jeu. Hein. C'est très... C'est un jeu incroyable, Ghost of Tsushima. À faire en létal. Hein. Pour ceux qui ont mis un peu de challenge à faire en létal, c'est une folie. Hein. Lui, tu vois, c'est de faire les grands jeux que je suis mais tellement heureux d'avoir fait. Et oui, à faire sur PS5. Hein, c'est quelque chose. C'est vraiment, vraiment quelque chose. De bout en bout. Tout est maîtrisé. Et en fait, faire Ghost of Tsushima m'a donné envie de refaire Sekiro. Parce que j'avais été très mauvais. Enfin, je l'avais fini en 2 jours et demi ou 3 jours, Sekiro, la première fois. Mais des très gros lives, hein, j'avais mis du temps. Mais j'avais été mauvais, en vrai. J'avais été super mauvais dessus. J'ai mis énormément de temps à comprendre... les contres et tout le bazar. Ensuite, la deuxième partie, en fait, j'ai fait un premier live de 20 heures dessus. C'est vrai que ça a été dur, ça a été très, 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 très dur. Et j'ai cut d'ailleurs parce qu'il y avait trop de gogol. Ça fait partie des nombreuses fois où j'étais à 200-300 buveurs, Herman, et j'ai cut parce qu'il y avait trop de cons dans le chat. C'est pas une blague. Hein. Les gens étaient juste trop cons. J'en pouvais plus. Donc j'ai cut, j'ai été dormir un peu, j'ai relancé le soir, on était plus que 100 et ça a été magnifique. J'ai refait un live de 15h et là ça a été fantastique par contre. Alors, ok. Qu'est-ce que... Quand les gens dans le chat disaient « Ah, c'est nul, c'est pas un MMORPG, c'est nul, on peut pas accuser son personnage, blablabla. » C'était insupportable, putain. Qu'est-ce que c'était donc c'était le vendredi matin, qu'est-ce que les gens étaient cons, putain. Délire. Bref. Salut Sapi, c'est là où je suis content, ouais, quand j'ai une petite audience, on est calme, on est bien. Ah, ça avait été terrible, Herman. Mais imagine ça, fois des dizaines et des dizaines et des dizaines, quoi. Parce qu'on était... Au fait, tu as dit le prochain thème des OS Games. Je n'ai pas dit le prochain thème des OS Games, mais pour le coup, il n'y en aura pas tout de suite. Parce que mercredi prochain, il n'y en aura pas, et le mercredi d'après, ça sera les sagas. Donc, c'est vrai que je pourrais le dire. C'est vrai que j'ai pas dit le prochain des OS Games. Bon, en vrai, je vais réfléchir. J'en ai deux possibles, mais... attends. Parce que j'ai mon petit pense-bête. Maintenant, je suis comme un grand, j'utilise ça et tout. Ah, il y en a un qui me plaît beaucoup de thèmes, mais il va y avoir absolument aucune proposition. Bon, j'ai réfléchi encore lequel je vais aller. De toute façon, je dirai pas tout de suite parce que là, les prochains OS Games, il va y avoir une petite pause où vous allez pouvoir accumuler un peu des points. Parce que là, je t'ai dit mercredi, je suis pas là et je pense que le mercredi d'après sera les votes des sagas. Parce que je veux pas faire d'OS Games avant les sagas parce que les gens se réservent trop pour les sagas. Donc après, bon, quoi qu'il arrive, là, quoi que le dernier OS Games, vous avez quand même encore mis 500 000 points de chaîne alors que c'était un thème, c'était le revanche des seconds et que les sagas arrivent après, quoi. Donc bon. C'est effectivement très bien, Herman.
Je reprendrai toujours là-dessus, autant je parle, vous m'entendez jamais parler des gros streamers, et je continuerai de le faire. Là, exceptionnellement, j'en mentionne un qui est Mister MV. Je suis pas forcément un grand fan du bonhomme, mais il a, pour le coup, ça a plus de poids quand lui le dit. Quand il parlait justement des mecs comme à l'époque où il y avait encore Mixer, que Ninja et Shroud et tout avaient migré là-bas, imaginez de gagner plus et d'avoir moins de monde. C'est le rêve de toute personne qui n'a pas de problème d'ego et pas de problème de fame. Vous voyez, qui cherche pas à avoir la fame ou qui veut absolument être connu, qui est prêt à aller à vendre son âme sur n'importe quel web TV, sur n'importe quel contrat, sur n'importe quel OPSP ou autre pour être mis en avant. Mais par contre, de gagner de l'argent, attention, hein, le pognon reste toujours à prendre en compte. Et je ne peux que le rejoindre là-dessus, clairement. Moi, je suis un tout petit streamer, je gagne ceci bien ma vie, effectivement, avec le stream. Mais. Affronter le souvenir Gubu, attends, je comprends pas, c'est quoi déjà? Souvenir de bataille, gagner tout ce qui vous reste, souvenir, ce qui est prometteur de loup. Fragment, puissance d'attaque a été améliorée, d'accord. Il y a juste améliorer, d'accord. Il faut les utiliser, les souvenirs, il n'y a pas un truc. Ah, Gubu, tiens. Repenser à un adversaire extraordinaire, j'ai vaincu de l'affronter à nouveau dans les souvenirs de loup. Lors d'un reflet, puissance d'attaque de loup n'est pas liée à la force dans le monde réel. En fait, c'est quoi? On peut refaire en fait les boss en boucle? C'est vrai, Herman? Bah écoute, il a bien fait. Il a bien fait. Mais oui, parce que je pense qu'il est sincère, on l'a dessus. Lui, il a foutu une, ça y est, c'est bon, il est pépère, il s'en fout. Il tourne à 10 000 stats de moyenne, il s'en bat les couilles. Mais coucou Steven. Clairement, tu vois, moi, là actuellement, là où j'ai la chance, Herman, c'est que mon audience n'a pas grimpé récemment. Par contre, on est à 25 T3 et 15 T2. Et ça me permet, tu vois, d'être tranquille. Et j'ai pas envie spécialement d'avoir plus de monde, tu vois. Là, récemment, c'est quoi la dernière fois que j'ai eu un peu de monde? Il y a pas si longtemps que ça, attendez. Il y a quelques semaines, on était remonté à 150-200. J'ai cru que j'avais pété un câble, il y a tout gogol. C'était sur quel jeu déjà? Attendez. Il y a pas si longtemps que ça là. Attendez, janvier. C'était le dimanche 24 janvier. Je streamais quoi? Je streamais quoi le 24 déjà? Non, ça c'était un host. Non, c'était Destiny 2. Sur Terra, il y a eu beaucoup de gogol. Terra, effectivement, il y a eu beaucoup de gogol. Et ça c'est quoi? Bless ça a été pour le coup, de manière assez surprenante. Bless ça s'est plutôt bien passé, ce qui m'a beaucoup surpris d'ailleurs. J'ai cru qu'il allait avoir beaucoup plus de cons que ça. Ouais non après non, extraordinaire. Il y a un truc. Mais ouais c'était sur. Après Cyberpunk ça avait été l'enfer. Cyberpunk, putain, c'était l'horreur. Cyberpunk, il y avait du monde, hein. Mais alors, mon dieu, le chat. Au début de Cyberpunk, je crisais, hein. Pour ceux qui étaient là, si vous vous rappelez des premiers lives, quand j'ai eu le malheur, moi, d'aimer Cyberpunk. Aïe. J'ai ban tellement de monde, Cyberpunk, et plein de vieux viewers, hein. Oh, il y en a compris cher, hein. Full gogol sur ce jeu. Ça a fait ressortir tous les gogols. Un délire. Un délire de ouf. Wouah, ils m'ont défoncé. Cyberpunk qui a vraiment eu beaucoup de ban. À cause des gogols ou à cause de. Ou t'avais peur de dire une connerie ou. À cause de quoi ou du spoil? Putain. Clef de merde. Moi je t'ai découvert dessus. C'est vrai, Ika? Ah bah écoute. T'es là depuis Cyberpunk parce que bon, en fait comme t'es sans méchanceté hein, là régulièrement, moi ça me fait plaisir au contraire. Et en plus ça a été horrible Herman, ça a vraiment été insupportable. Il y avait beaucoup de monde, tu vois, j'ai fait les streams à plus de 150, on est même remonté à 200 je crois même qu'on a dépassé 200 pour te dire. Les derniers streams étaient très calmes, c'était trop cool. Ah ça a été horrible. Alors que c'est un très bon jeu, il a des défauts Cyberpunk, vous voyez, c'est clairement pas le GOTY 2020, hein, le GOTY 2020, ça reste Ghost of Tsushima pour l'instant. Pour l'instant, je suis en train de faire la Last of Us 2, on verra. De mémoire, ils étaient super forts, eux. Il est empoisonné, très bien.
Ah, j'ai pas fait Doom. Fallait voter pour, il a été proposé dans les sagas, hein, dans les sagas constituées de deux jeux. Avec Last of Us, FF, Doom et South Park, mais il n'a pas gagné. Je suis bien content de les avoir exec les autres, hein. Putain. Je suis vraiment bien content de les avoir exec les autres, bordel. Putain de saloperie. On verra bien, Sven. Ils sont intéressants. Mais pour l'instant, tu vois, je vois des trucs dans Last of Us 2 qui sont fantastiques et je vois aussi des très gros défauts. Pour moi, il y a un très gros défaut actuellement dans Last of Us 2. On verra ce qu'il en est pour après. Ah oui, la barre d'XP, d'accord, qui redescend. Ok. Ah, j'avais oublié ça. Stylé. Stylé, stylé. Là. Le fait. Le loot dans Last of Us 2. C'est-à-dire qu'en gros, dans le gameplay, tu dois explorer tout un tas de trucs complètement chiants à crever. Il y a des trucs intéressants, tu vois, genre la scène avec la guitare était magnifique, ça, je trouvais ça superbe. Mais t'as plein de trucs complètement chiants au niveau de la gestion du gameplay, au niveau des munitions et du bordel. Je trouve ça très malade. Le fait qu'il faut ramasser plein de petites merdes, du craft chiant à crever dans Last of Us. Ça sans aucun intérêt en termes de gameplay, c'est pas drôle, c'est pas intéressant, c'est pas... Ça n'apporte rien au jeu, quoi. De farmer toutes ces petites merdes ou autre, quoi, c'est pas... Et je trouve que c'est un vrai problème. Parce que j'ai beau jouer en normal, tu vois, faut quand même pas mal de balles et tout, et fouiller pour ramasser de l'alcool, des papiers ou je ne sais quelle merde à droite et à gauche, je trouve ça absolument inintéressant. Pour le coup, fouiller pour des séquences narratives supplémentaires, je trouve ça fantastique. Dans Cyberpunk, comme c'est un RPG, ça m'a un peu moins dérangé pour le coup. Mais merde. Mais parce qu'il y avait quand même des trucs utiles, tu vois, c'est que t'as une upgrade à la fin, quoi. Prendre le loot. Je sais plus s'il y a un truc pour les battre spécial. Après ils prennent cher mais bon. Merde, mauvais bouton, putain. J'arrive pas du tout sur là. Non, j'arriverai pas sur eux. Tant pis. Je sais qu'il y a un truc qui me manque, je sais pas quoi. Bon, mais ça, c'est Asobura qui a le problème avec le drama. Ça, c'est... Parce qu'Asobura aussi génère le drama. J'ai pas du tout quoi faire pour les 20. Je le trouve plus dur que le premier boss, hein, pour dire. C'est... Faut utiliser une technique, un truc comme ça. Ah, j'ai moyen. Non, non, me dis rien, Nimoun. Mais je trouve pas... C'est bizarre que je trouve pas, attends. Moi je me dis qu'on va péter leur putain de chapeau. Ça, ça se pète, normalement. Oui mais ça, encore une fois, c'est parce que t'es sur les réseaux sociaux et que tu lis de la merde à ce bureau. C'est uniquement de ta faute, ça. Si t'arrêtais d'être un connard influençable par de la merde, ça irait beaucoup mieux.